Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une victoire à Singapour de Pierre Gasly. Donc on est un peu tout émoustillé suite à cette victoire et aujourd'hui on va enchaîner au Japon. Je suis juste avant du coup de lancer les essais et je voulais qu'on regarde ensemble où on en était au niveau de la monoplace parce que du coup on a des recherches qui sont en cours. On fait quasiment plus de conception pour justement être sûr d'être bien l'année prochaine et je voulais voir un peu où on en était au niveau de la moyenne. Alors de la moyenne, vous voyez, on est que 9e en Vmax, 11e en Axel, 1er en DRS. On est 3e en virage grande vitesse, donc ça c'est ce qui nous a aidé. Mais par rapport à d'autres écuries, genre par exemple Mercedes, c'est un peu kiff-kiff parce qu'ils sont quand même pas bons en Axel, pas bons, alors moins bons dans tout ce qui est virage grande vitesse par rapport à nous, etc. Donc en vrai, on peut jouer un peu face à Mercedes. Mais sinon, globalement, moyenne de la grille, ouais, on est pas fou. On n'est pas fou. Alors je veux juste voir si j'ai bien mis les mêmes pièces partout. Ouais, sensiblement pareil. Mais du coup, en effet, on n'a pas la meilleure voiture. Mais je pense que là, avec les perfs à des endroits quand même assez stratégiques, hein, faible vitesse, on est quand même 7e, 3e en grande vitesse. Donc on est peut-être la 5e écurie à l'heure actuelle devant, ou même voir la 4e avec Mercedes. Donc on n'est pas si mal en vrai. On va aller au Grand Prix du Japon. Je vais comme d'habitude vous simuler du coup les essais, vous connaissez. On se retrouve en qualification pour justement le week-end. Quoi, le week-end. Et parce que là, on approche de la fin, mine de rien. On est au 17e Grand Prix. 18e 17e 18e, je sais plus. 17e. Mais on approche de la fin. Les amis, j'ai l'impression d'être maudit. Regardez de la pluie. Samedi, dimanche, pluie. Je ne sais pas depuis combien de temps il pleut. Mais j'ai l'impression qu'il pleut maintenant depuis peut-être environ 10 Grands Prix. Franchement, on est au 17e Grand Prix. J'ai l'impression qu'on a eu 5 GP sous le beau temps. Sinon, c'est que de la flotte. Je commence à craquer. Je suis en pleine craquance. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces gommes là dégueulasses? Pourquoi j'ai que ça en... C'est quoi ces gommes? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait en séance d'essai là? Pourquoi j'ai autant de gommes médium là? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, il faut vraiment qu'on fasse qu'un tour. Vraiment qu'on fasse qu'un tour avec Pierre Gasly, faut pas être gêné. Hein. Faut pas être gêné. Là, va falloir faire qu'un seul tour pour passer en Q2 parce qu'on a très peu de gommes pour aller apparemment en Q3. Après, il va pleuvoir, remarque. Ça, il va pleuvoir. Ah oui, il va pleuvoir, j'avais oublié. Oh, j'aurais dû sortir plus tôt. Ça va, on n'est pas sorti tard. Il va pleuvoir, donc du coup, on enchaîne tout de suite. Normalement, ça devrait le faire. Dans 2 minutes, il pleut, mais ça devrait suffire pour faire un bon temps, je l'espère. On a Ocon qui a pour l'instant le meilleur premier secteur, c'est bien. Ouh, alors que tout le monde... Attends, Ocon, il y a quelqu'un devant lui? Gasly, non? Pourtant, ok, je pensais qu'il avait, pu être aspiré un petit peu. Récupérer un peu l'aspiration. Bon, si on arrive à passer directement avec un tour, c'est bien. Esteban Ocon derrière Gasly, du coup. Même avec le meilleur premier secteur, très bien. On va pouvoir avancer, mais je pense que ça suffira. De toute façon, là, ça va figer les temps. Ça va figer les temps. Oh, on est bien. Regardez ce beau temps 3 et 4 des Alpines. Là, c'est très bien. C'est impeccable. Il pleut. On n'a plus besoin de ressortir. On rentre. Tranquille. On n'a pas besoin d'user les pneus. Et j'avais oublié qu'il allait pleuvoir. Ce qui veut dire que du coup, on risque d'avoir plutôt besoin des pneus pluie pour après. Mais du coup, il y a De Vries, Joe, Piastri, Magnussen et Bottas. Désolé pour ceux qui ont regardé hier la vidéo du coup pour changer le mode. Et en fait, j'ai dit une bêtise à un moment donné. Quoi. C'est pas que j'ai dit une bêtise, mais j'ai oublié de dire un truc. Donc du coup, j'ai enlevé, je l'ai mis en privé. Donc je vais essayer de vous la renvoyer aujourd'hui, là, dans l'après-midi. Parce qu'il faut juste que je rajoute un truc tout bête, mais qui du coup vous bloque si jamais vous le savez pas. Alors c'est bien expliqué à l'écrit sur le truc, mais oralement, je l'ai pas dit. Donc du coup, c'était un peu la merde pour vous. Donc il faut que je la refasse. Voilà, refasse, non. J'ai juste un petit segment d'une minute à rajouter, même pas. Donc c'est pas énorme. Mais il faut le faire. Parce que sinon, vous allez rien comprendre à ce que je dis. Les Q1, ça devrait être bon, on va valider ça. Bottas et Sargent, qu'est-ce qu'ils font à rouler? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils veulent à tout prix. Bottas, c'est bon, t'es 20ème. Mais arrête-toi. Arrête-toi, Bottas. Et Logan, il fait 9ème. Hein. Alors Logan, il a bien eu raison de rester dehors, mais je crois qu'il a fait surtout 9ème parce qu'il est sorti en tout premier sur le sec. Ok. Q1, c'est fait. Q2, est-ce qu'on va avoir de la pluie? Apparemment, non. On part encore en soft. Mais est-ce que c'est encore genre, faut vraiment partir tout de suite et la pluie arrive après? Oui. Donc on va reprendre les pneus usés, on va pas s'embêter. J'ai pas envie de reprendre... Ah, remarque... Non, pneus usés. Pneus usés pour les deux. Gasly qui sort. Ocon qui sort ensuite. Oh non, ils sont sortis l'un après l'autre beaucoup trop tôt. Non, c'est bon. Ok, pareil, on fait un temps rapide. Hein. Quand on se dépêche, je veux dire accélérer un peu pour lancer le tour. Pardon. Et on va voir si on arrive à faire aussi bien que tout à l'heure. On avait fait 3 et 4. Je pense que c'est plutôt que d'autres voitures ont été gênées, comme Verstappen et tout, parce que pour l'instant, quoi, à mon avis, eux iront plus vite que nous, évidemment. Après, il y a peut-être là, quand on arrive environ au 17ème GP, il y a toujours toute la phase un peu d'écurie qui changent leur moteur, ou qui gardent leur moteur usé pour finir. Donc ça, c'est à voir. On n'oublie pas le classement, c'est important. Pierre Gasly, du coup, bon, c'est bugué ce classement, c'est vrai. C'est vrai que c'est bugué, parce que là, on a 95 points. Par contre, on a une victoire, et ça, c'est un plaisir. Verstappen, par contre, est largement en tête, je crois.
Moi pour l'instant toutes mes games, c'est Verstappen qui est en tête depuis le début, genre avec William sur Twitch, c'est Verstappen qui a gagné la première saison. Et il est premier là avec 3 victoires en 3 GP. Donc pour l'instant il domine assez largement. Assez largement. Ok, donc là on continue. Gasly du coup qui est 3ème, il a le meilleur premier secteur, incroyable. Encore le premier secteur en violet. Est-ce qu'il arrivera à faire un truc ou pas? Oh, le troisième est en violet, meilleur temps pour Gasly? Ocon 3ème? Oh, attention Esteban Ocon. La pluie arrive, on est tranquille. Ouh, Verstappen il a eu chaud. Ouh, attends. Il y a un drapeau jaune quelque part. Dis-moi que c'est pas Verstappen, Gasly, quoi. Gasly ou Ocon, pardon. Non. Ok, c'était juste à mon avis une sortie de piste ou un petit spin sans gravité. Sargent qui s'est fait avoir, Hülkenberg aussi, Albon, Norris et Tsunoda qui ne passeront pas du coup en Q3 étant donné que la pluie sera trop importante ensuite pour faire un temps et améliorer du coup le premier temps, donc ça devrait être tranquille. Donc on passe encore. Gasly le deuxième meilleur temps, incroyable. Gasly là, il est rapide. Hein. Et il a un peu boosté. Il vient de gagner un GP, son deuxième GP de sa carrière, le premier de la saison avec Alpine. Il est un peu boosté. Il est clairement un peu boosté, il se sent bien. Quoi. Il se sent clairement bien. Après, dites-moi dans les commentaires, vous, quand est-ce que vous avez gagné votre premier GP? Bon après si c'est, vous avez pris Red Bull évidemment, normalement Bahreïn, première saison c'est gagné quoi. Mais n'hésitez pas à me dire ça, genre par exemple avec une écurie peut-être un peu milieu de tableau et tout, est-ce que vous avez déjà gagné et avec qui et quand? Parce qu'au final c'est un peu plus dur ce jeu à gagner, je pense que c'est quand même faisable, la preuve avec Gasly, selon les situations de course et tout, c'est faisable. Mais après avoir de quelle manière, attends, il va pleuvoir ou pas encore? Ouais il va pleuvoir. Ok, pneu neuf ici. Et pneu neuf ici. Ocon qui sort. Et Gasly qui va sortir le plus vite possible aussi. Ok. Les deux, c'est parti. On sera pas gêné, on a personne devant, pas d'aspiration. Ou Sainz, faudra voir. Hein, parce que Sainz, il a Perez devant lui. Ça se trouve, il va utiliser l'aspiration de fou. Alors là, par contre, les qualifications, c'est exactement un peu ce qu'on avait l'an dernier. C'est-à-dire, au début, il pleut pas, après, il pleut. Alors pourquoi? Alors que les qualifications se suivent. C'est comme si ça alternait du coup pluie, soleil, mais bizarrement le soleil arrivait toujours au début. Tant mieux pour nous, tu me diras. Est-ce qu'on arrive à mettre un premier secteur en violet là? Ça serait bien. Ocon, est-ce que Gasly peut rattraper ce temps là? Non, c'est en vert Gasly. Attention parce qu'il n'y a qu'un temps qu'on peut faire là. On peut vraiment faire qu'un seul temps. Donc il ne faut pas se rater, la pluie va arriver ensuite. Ouh, la pluie va arriver très vite là par contre. Oh non, j'ai l'impression qu'on est sorti un poil trop tard. Attention à la pluie. Bon, nous ça devrait aller, mais ceux qui sont derrière, c'est mort, je pense. Hein. Attention. La pluie qui va commencer juste après l'arrivée d'Esteban Ocon. C'est bon. Esteban Ocon qui fera derrière Verstappen pour l'instant. Là, il faut. Oh, on était à 0-0-0-3 de Verstappen. Non. Il pleut. Ça y est, il pleut. Gasly la pole. Gasly la pole, messieurs. Parce que derrière, il pleut. Non, Sainz. Je savais. L'aspiration de Perez. Non, on a failli avoir la pole avec Gasly. Non, je suis dépité. Gasly a fait. Oh non, Leclerc aussi. Oh, Hamilton. Ok, tout le monde est en train de nous corriger un petit peu là. Je me suis emballé. Il n'y a absolument pas de pole. On va faire 5ème. Ce qui est déjà très cool, 5ème avec Gasly et 7ème avec Ocon. Mais je viens de me faire corriger. J'y ai cru. Et au final, on prend 3ème. Je me suis enflammé. Je croyais que la pole allait nous tendre les bras. Je pensais que Gasly allait l'avoir, mais non. En tout cas, on est 5ème. On est 5ème, c'est absolument pas dégueulasse. On prend. 5ème place avec le Pierrot. Je prends tous les jours. On avance un petit peu. On a du coup, ils ont tenté de faire une nouvelle tentative, mais c'est fini les gars. Calmez-vous, c'est fini. Il pleut, vous allez pas améliorer tout ça. Pierre Gasly du coup 5ème. Ocon 7ème, on a Verstappen qui va avoir une pena. Donc on va faire 5 et 6 pour le départ de ce GP, c'est très cool. 5 et 6 au Japon. Stratégie à deux arrêts, SMS si je dis pas de bêtises. C'est ce qu'on va faire je pense. Et on va voir ce que ça vaut. Ah non, SMS oui. SMS si jamais il pleut pas. SMS quand il pleut c'est différent. Oh il pleut direct. Oh non. Oh j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de la pluie. J'en peux plus. Enlevez-moi cette pluie s'il vous plaît. J'en ai marre de la pluie. En plus j'ai l'impression que je vais devoir encore faire ça vraiment. Oh la pluie me sort des yeux. Je vous jure, la pluie me sort des yeux. Genre là, j'en peux plus. Ça y est, je suis arrivé à un stade où la pluie, je n'en peux plus. J'ai l'impression vraiment, les gars, il faudrait qu'on revoie. J'ai pas le courage d'aller voir les dernières vidéos, mais il faudrait que je regarde le nombre de vidéos là où on est sous la pluie dernièrement.
Ça a l'air d'être une folie. Bon, en tout cas, on va être push. En mode push, on va mettre quand même un petit tour en plus avec 1,5 kg en plus sur dans l'essence. Tac. Et on va voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, eh ben, écoutez, on est obligé de faire comme ça. Vous avez vu le pourcentage de Gasly est à 68% au niveau de du setup. 92% pour Ocon et la différence de perf. Gasly était largement plus rapide que Esteban Ocon. Comme quoi, ça joue pas énormément. C'est surtout les points, en fait, quoi. Les bonus que donne, en fait, ces setups-là. Ça, il faudrait le changer pour l'an prochain. Il faudrait le changer. Attention le départ, messieurs. Oh, il y en a qui sont en hard, en médium, pardon. Je vais faire une petite pause parce que j'ai envie de... Non, j'ai pas envie d'être trop... J'ai pas envie d'être trop agressif. Je vais juste mettre le RS Battle Assist, mais je vais pas leur demander d'être hyper agressif dans les dépassements. Parce que devant, ils sont plus rapides que moi. En vrai, Gasly, il pourrait potentiellement aller chercher, par contre, aller chercher Hamilton, pour le coup. Oh, il s'est fait doubler Ocon. Il s'est fait doubler par Gasly. Non. Ok, on est bien. Bon départ pour l'instant, Gasly Ocon, on sait pas trop qui va prendre le meilleur sur l'autre. Par contre, Alonso, faudrait aller le doubler, il est en médium. Si on peut y aller, allons-y. Attention Esteban, s'il te plaît. Attention Esteban, s'il te plaît. Qui sait aussi qu'on n'est pas à l'abri de se crasher. Pour l'instant, c'est bien, Gasly est à l'intérieur, ça se bat bien. Ça se bat bien, mais c'est proche l'un de l'autre, j'ai un peu peur quand même. J'ai limite envie de faire un x16 pour que ça passe vite. Hop. Voilà, c'est bon. C'est histoire qu'il se décroche un peu et de pas voir un potentiel crash. Imagine ça se crash, fin de vidéo. D'ailleurs, on arrête, on range tout. Bon, de toute façon, faut qu'on attaque parce que la pluie va arriver après, normalement, dans pas longtemps. Ah, 8ème tour en vrai, ce sera pas tout de suite. Hein. On peut juste se mettre en full agressif. Par contre, Ocon, j'aimerais bien que tu doubles assez vite. Et là, par contre, on va se mettre en agressivité fort. Pareil pour Ocon plutôt. Parce que là, va falloir y aller. C'est Ocon. C'est Ocon qui doit d'abord passer. J'aimerais bien que tu passes assez vite, Esteban, s'il te plaît. Ok, bien joué. Sortie de virage, t'es bien. Aïe. On a plus de RS. Impeccable. Impeccable ici. Il est passé ou pas? Il est passé. Ça va être à Gasly maintenant de push. Ah, le problème, c'est que du coup, on se retrouve malheureusement à... Derrière un mec qui nous a un peu ralenti alors qu'il était moins rapide, alors que si on avait réussi à passer Alonso assez vite et tenir Hamilton, Sainz et tout, il aurait pu se passer un truc intéressant. Il aurait clairement pu se passer un truc cool. Allez, on enchaîne le 5ème tour. On est pour l'instant en train de décrocher Russell. On a un peu carbo les pneus, mais c'est pas grave, c'était vraiment histoire de prendre un peu d'avance. En vrai, il faut que je reste en attaque. La pluie arrive normalement bientôt déjà, regardez, dans 4 minutes la pluie arrive. Alors par contre, elle risque de monter doucement, on n'a pas regardé. Ah oui, elle va monter très doucement même. En vrai, je vais rester un peu en standard. Hein. J'ai peur de griller mes pneus. Parce que mine de rien, si vous regardez, ça risque de monter, mais doucement. Hein. Là, il y aura vraiment qu'au 10e, voire 12, 13e tour, on aura vraiment besoin de passer au stand. Hein. Allez, on a le DRS qui est là. Un Gasly qui est moins rapide que Esteban Ocon. C'est fou comme ça change vite. Du coup, le rythme, c'est peut-être que j'ai enlevé ça aussi. Peut-être que ça y joue. Des fois, ça y joue. Ok, Gasly est en train de récupérer. Il pleut un peu sur la voie des stands. Ok, début de pluie, mais en vrai, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est pas trop grave. On va rester comme ça, mais la pluie commence à tomber. Mais regardez comme elle monte lentement. Pour l'instant, aucun intérêt d'aller chercher les pneus à terre. On est dans la fenêtre. On a devant Leclerc qui se... Non, Hamilton est bien, Hamilton est deuxième, Hamilton qui est bien là. Longtemps qu'on n'avait pas vu Hamilton si haut. On a du coup les deux Alphas qui sont ici, nous avec Gasly on est pour l'instant sixième. Ocon qui est pour l'instant quatrième, et ce serait bien d'essayer de décrocher un petit peu, tiens. Peut-être pas en attaque. Ce serait bien d'essayer de décrocher un petit peu Alonso, ça y est c'est fait. Alonso a été décroché, ce qui veut dire qu'il n'aura plus le DRS et que Gasly maintenant peut essayer de faire un truc. À condition de vouloir rattraper, mais là il peut avec le DRS potentiellement se barrer. Ok, bien joué. On va le laisser un peu en attaque. Histoire de... Oh Hamilton. Oh, j'ai fait une pause au moment où il y a Hamilton qui est juste ici. Oh mon Lewis, je suis désolé de ce qui t'arrive. Oh Lewis, non. Oh, mais non, mais il y a aussi... Mais j'avais pas vu. Il y avait aussi Carlos Sainz dans le lot. Oh là 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 là, quel bonheur. Ok. Oh là là, le bonheur. Attends, ils veulent nous donner un truc encore aujourd'hui, j'ai l'impression.
Magnifique ça. On vient de monter sur le podium grâce à l'accrochage entre les deux. Hamilton, du coup, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps ici, qui... Oh, il sort large. Ah ouais, 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 il la perd, il sort très large. Il sort très large. Alors, je sais pas s'il la perd, mais en tout cas, il sort très large, c'est une certitude. Et c'est lui qui prend la pénale, évidemment. Est-ce qu'il a une... Est-ce que... Ah ouais, Sainz ne va pas bien du tout. Ah oui. Ah bah, il lui manque un total bout d'aileron, là. Alors, tant mieux pour nous, tu me diras. Mais du coup, on se retrouve très bien, là. On se retrouve vraiment très bien. Attention à ne pas faire d'erreur. Mais on se retrouve bien. Alonso est loin. Ok, 0,42, la pluie. Après, on sera en inter tout le temps. Franchement, on peut faire un truc. Hein. Et quand on est deuxième et troisième, il se passe encore des dingueries. Alors, je sais pas pourquoi les Red Bull sont aussi loin, par exemple. Sont où les Red Bull? Pourquoi? Ah ouais, le moteur est en fin de vie. Hein. Verstappen, 31%, 43% ici. Leclerc aussi. Ah ouais, ils sont tous en fin de vie. Il n'y avait que Hamilton qui ne l'était pas. Russell qui est bien aussi, mais la boîte de vitesse est morte. Ok, donc la plupart ont un moteur en fin de vie, donc du coup ça y joue. Par contre, Gasly, j'aimerais bien qu'il revienne sur Ocon. S'il veut bien le faire pour revenir dans le DRS, s'il te plaît. Attends, attention, hein, que je surveille quand même un petit peu aussi la météo. Ok, Gasly est revenu, impeccable. Gasly est revenu, ça nous permet de push un peu tous les deux. Ocon et Gasly. Je sais pas quand va arriver la flotte. Je vous avoue que la flotte, je ne sais pas quand elle va arriver. Attends, par contre, on va juste se mettre en moyen pour les dépassements. J'ai pas envie qu'ils fassent n'importe quoi. Et j'ai pas envie que les deux fassent n'importe quoi. J'ai envie qu'ils restent un peu tranquilles l'un derrière l'autre, mais qu'ils cèdent avec le DRS. Et qu'on surveille la pluie parce que ça monte, mais difficilement. Hein. Difficilement, et attention, parce que les gommes, on est à 58. Alors pour l'instant, ça va, mais il faudrait pas que ce soit plus dur que ça et plus long. Parce que là, ça devrait être bon, mais qu'à partir, elle est peut-être au 15e tour en vrai. Est-ce qu'au 15e tour on pourrait rentrer? Gasly qui vient de passer et qui a un rythme incroyable. Gasly, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il vient de mettre une seconde 4 comme ça d'un coup là? Non mais des fois j'ai l'impression que les mecs ils ont des moments où ils vont être plus rapides que d'autres alors qu'il n'y a rien qui change. Il a mis une seconde 5 à Esteban Ocon et il revient sur Leclerc. Alors que je n'ai rien demandé à l'un ou à l'autre de différent en plus. Mais c'est cool. Regarde Gasly, mais qu'est-ce qu'il a? Il est en train de revenir sur Charles? Ah, je sais pourquoi. Bah non, j'allais dire peut-être que c'est la note d'adaptabilité, mais étant donné qu'on n'est pas encore à 1 mm, il n'y a aucune raison que ce soit ça. Je vais attendre un peu, mais je pense qu'on va pas tarder à devoir rentrer. Et j'ai pas envie de push encore trop. Parce qu'on est pas mal avec Pierre Gasly. Et tu vois, là, ça tempo un peu, là, quand même. Ça tempo un peu, on est au 15e tour, il n'y a pas encore les pneus à terre. Hein. Attention. Ok, ça remonte. Ok, ça commence à rentrer au stand. Oh, je me suis fait avoir. Non, je me suis pas fait avoir. Je me suis pas fait avoir parce qu'on va être en full attaque. On va être en full attaque et Gasly va rentrer au prochain tour. Ok. On va mettre des inters. Oh, je suis obligé de faire un double pit. Pas grave. J'y crois au double pit. Allez, Gasly, s'il te plaît. Ok, tout le monde rentre. Ocon, il est où? Ok, Ocon est un peu plus loin. Ça peut passer le double pit, messieurs? S'il vous plaît, vous ratez pas. 2-5. Non. Mais pourquoi? Oh, ça rend fou. Ça rend fou. Pourquoi on a laissé passer Leclerc comme ça? Je sais pas ce qui s'est passé. On a mis tellement de temps. Oh, Russell est passé devant. Bon, Gasly est bien, mais Russell... Oh. Non, mais Ocon, il s'est fait avoir de fou. Oh, c'est insupportable pour Esteban. Je suis désolé pour Esteban, mais c'est pas ma faute. Putain, qu'est-ce qu'ils nous font? Au stand, on est catastrophique. Pourtant, on a fait 2 secondes 5. Mais après, on a mis 20 ans à se lâcher. Pourquoi? Bon, Gasly, qui est pas loin de Leclerc. Ocon, qui du coup, se retrouve maintenant 4e, alors qu'il était juste derrière Pierre. Ça fait un peu chier. Et c'est surtout que derrière, maintenant, il y a Verstappen, quoi. Donc c'est pas le même morceau derrière là qui gêne un petit peu. En tout cas, Gasly peut encore aller taper un podium aujourd'hui. Hein. Il peut aller encore chercher un podium parce que Sainz et Hamilton sont bien loin. Perez, Verstappen et tous ces mecs là ont un moteur éclaté, donc du coup on est bien. On peut encore aller choper un truc. Hein. Bon, la win, j'en doute. Très sincèrement, la win, j'en doute. Alors surveillons par contre, parce que là on est à 0,97, on n'est pas encore monté au-dessus des 1. Ça fait un peu chier. Ça y est, on est dans l'humidité.
Du coup, ce qu'il faudra regarder, c'est combien de temps. Bah, c'est tout le temps jusqu'à la fin, en fait. C'est jusqu'à la fin. Donc maintenant, soit on se fait en sorte de tenir et on peut tenir jusqu'à la fin. Soit on push comme des... Même en normal, je pense que ça devrait le faire. C'est quoi, je vais me mettre en normal, on sait jamais. Parce que s'il y a une safety et tout, on peut durer jusqu'à la fin. On sera en réaction. Je pense clairement qu'on sera sur une réaction. Si jamais on voit qu'il y a un mec qui rentre et que la strat peut être bonne, on rentre. Sinon, on reste dehors. Sinon, on reste dehors, on verra. En tout cas, Leclerc, ça va être dur de tenir avec Gasly. Mais on peut aller chercher un podium. On peut essayer d'aller chercher un podium en sachant que Russell, du coup, est bien juste derrière Gasly. Là, attention. Il est bien là, mais est-ce qu'il serait pas... Mais je sais pas s'il push véritablement. Après, on saura de toute façon. Si jamais ces mecs-là rentrent, on rentre aussi et on se met en full push sur la fin. Mais si on peut le tenir jusqu'au bout, en vrai, pourquoi pas. Mais j'ai peur qu'on perde énormément de temps sur la fin du relais. J'ai peur qu'on perde énormément de temps sur la fin du relais parce que du coup, on serait là, tu vois. On arriverait vraiment à la fin. Ça dépend comment on tient, en fait, sur le début de relais, là. Ça dépendra pas mal de choses. J'ai bien envie d'avancer jusqu'au 25-30e tour. Évidemment qu'il y a de la pluie, donc forcément, on sait qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Regarde, Russell est en train de décrocher, sinon il est en train de crever ses pneus. Et c'est ça qui est cool. C'est que tu vois, même nous, en restant tranquille, rien que le fait d'être devant, il est en train de griller ses pneus s'il reste derrière. Parce que là, vous le voyez pas, mais juste derrière, il est à 78. Moi, je suis à 86. Tout ça parce que du coup, je suis pas resté dans le dirty air. Et pareil, 85 pour Leclerc parce qu'il est plutôt clean devant, quoi. Il a personne. Donc on arrive à tenir. Donc je pense que eux au final, seront obligés de rentrer. Et nous, potentiellement pas. Donc y a un truc à jouer, en vrai. On peut peut-être rester en piste, hein. Si on arrive à garder les bonnes gommes, pourquoi pas rester jusqu'au bout. Il faudra voir un peu là où on en est. Si on arrive à rester au-dessus, pourquoi pas. Après, il faut se dire qu'on va finir à 30, quoi. 30 de pourcentage. Regardez, Russell, 2 secondes 4. Oh, l'état de la piste, attention. Il y a aucun... Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est pas nous. Est-ce que Charles Leclerc va rentrer ou pas? J'espère pas. Normalement, non. Il n'y a aucun intérêt qu'il rentre. Ok, il rentre pas. Blocage de Albon. Tant pis pour lui. Gasly, Esteban Ocon. On est pas mal de notre côté. On est à mi-course. Il s'est pas passé grand-chose et il pleut, donc forcément, on a avancé jusqu'à mi-course. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est du coup, combien de temps on va pouvoir tenir. Et là, j'ai l'impression que ça remonte de toute façon bientôt, parce que là, on est en train de chuter. On est en train de chuter. On est clairement en train de chuter. Et je pense que d'ici... remonte. Parce que ça se trouve, les météorologues... Attends, on va se concentrer. Ok, ça rentre pas. Allez, remonte, s'il te plaît. Remonte, là, ça m'inquiète. Et c'est surtout en train de griller mes gommes, en fait. Oh, Ocon, il est en train de se battre avec Verstappen. Blocage de Vries de l'autre côté. Attends, parce que là, le problème, c'est que du coup, on est clairement en train de niquer les gommes si ça remonte pas à 1, en fait. Et ça va nous obliger à sortir... Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Parce que là, l'objectif, c'est soit on reste jusqu'au bout avec des gommes qui souffrent. Mais si on est toujours deuxième, je vois pas trop l'intérêt de re-rentrer pour re-essayer de doubler, surtout qu'il n'y a pas le DRS. Et potentiellement réussir à choper Leclerc comme ça. Mais j'ai limite envie de tester avec Gasly si je me mets en léger, là. Est-ce que je perds beaucoup de temps? Putain, je gagne du temps, même. Je gagne du temps en léger. Par contre, par rapport à Ocon, je pense que Verstappen va nous doubler si je me mets en léger. Ça rentre au centre pour Magnussen. Il met quoi? Ok, il remet des inters. Par contre, s'il met des inters maintenant, ça va être trop dur de tenir jusqu'au bout. Moi, je veux voir surtout Charles Leclerc et tout, il rentre pas. Tant que Charles ne rentre pas, je ne rentre pas. J'ai envie de me mettre en léger, en vrai, les gars. Je vais mettre en léger, mais là, je vais push. Ok, on va voir sur quelques tours si ça marche. Russell, on lui met 4 secondes. Hein. On lui met 4 secondes à Russell. Oh, Leclerc qui rentre. Il faut que je couvre la stratégie, on est d'accord? Vas-y, je couvre. J'ai pas envie de me faire avoir. Franchement, les gars, je vous jure, j'ai pas envie de me faire avoir. On va couvrir la stratégie. Alors, j'aurais peut-être pu gagner comme ça. Hein. Mais je veux couvrir la stratégie. Il n'y a pas de... Oh, Stroll. Qu'est-ce qu'il a fait, Stroll? J'ai vraiment envie de couvrir la stratégie. Parce que si je la couvre pas, je vais regretter. Alors soit, sinon, je laisse Ocon finir. Non, je couvre la strat. Il reste 20 tours, les gars, c'est trop risqué. Une seconde par tour, c'est beaucoup trop risqué. J'ai trop peur. En fait, je me dis, j'aurais pu rester au moins avec Ocon jusqu'au bout.
Mais je pense que c'est trop risqué. Oh non, le con. C'était un retardataire. Aïe, 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 aïe. Ok, piste mouillée. Non, non, vas-y, vas-y, poussez-vous, s'il vous plaît. T'attaques pour Hülkenberg. C'est le bordel, là. Ok, on rentre avec, avec Gasly. Russell, par contre, potentiellement, il veut pas rentrer. Non, je le fais rentrer. De toute façon, il était déjà en train de rentrer. Vous ratez pas, s'il vous plaît. Ok, 2 secondes 5. C'est pas fou, mais au moins, on limite la casse. Est-ce qu'on peut sortir devant Leclerc? Leclerc est où? Oh non, je crois que c'était Gasly qui sortait là. Allez, allez, accélère! Ok. Bon, au moins on est bien. Au moins on sait qu'on peut push. Par contre, il va falloir s'entraîner. Hein. Il va vraiment falloir s'entraîner. Bon, on a couvert Leclerc. Je pense que c'était la bonne strat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que c'était la bonne strat parce que si je couvrais pas, potentiellement on aurait été dans le caca un peu plus tard. On est à 4 secondes de Leclerc, alors si Alonso et Russell ne rentrent pas, bah potentiellement ils vont avoir des soucis au niveau de la gomme. Il reste quand même 20 tours. Hein. Franchement, s'il restait que 10 tours, jamais on serait rentré. Mais là, il restait 20 tours, les gars. 20 tours sans rentrer au stand, on aurait perdu tellement. On va voir par rapport à Alonso si on arrive à le rattraper un peu, tiens. Pas tant que ça pour l'instant. Oh, Gasly revient bien sur Leclerc, du coup. Attends, 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 il y a un truc qui se passe là. Pardon, excusez-moi. Mais Gasly est en train de revenir sur Leclerc parce que du coup, il n'arrive pas à doubler Alonso. Esteban Ocon qui va passer Russell. Ah non, pas du tout. Alors que Russell est rentré au stand. Dommage pour ça. Mais du coup, regardez. Attends, attends, faut que je push. Faut qu'on arrive à revenir dessus. Parce que là, on est en train de revenir dessus, du coup. Oh oui, mon petit. En fort. Si on peut, imagine, on double clair. Bon, là, ce sera un peu compliqué. Les pneus sont beaucoup trop chauds. C'est pas grave, tu continues un peu. Je continue un petit peu, je sais. Bon, on va se calmer un peu parce que sinon on peut vraiment beaucoup les griller. Pareil de ce côté quand même. Mais du coup, on est revenu sur Charles Leclerc. Alonso est là. Alors Alonso, je sais pas s'il a envie de rentrer au stand à un moment donné ou pas. Est-ce que je tente potentiellement un dépassement? J'ai envie de me calmer un peu, mais là j'ai l'impression que mes gommes continuent à surchauffer. Battle assist au cas où. Et full attaque. On va tenter un truc. On va tenter un truc, les gars. C'est peut-être le moment qu'on peut. C'est peut-être le moment pour gagner. Il veut pas se décaler. Échec du dépassement, évidemment. Ok, on va se calmer un peu. On réessayera dans la ligne droite, c'est pas grave. On réessayera dans la ligne droite après, mais. Oh, attends, attends, il est bien là, il est bien. Il est pas bien. Let's go for it, mate. Attends, il peut peut-être tenter un truc là dans le virage qui suit. Oh, il revient Charles. Ok, on se calme un peu. Je sais où on va tester. On va essayer de revenir un peu en agressif. Là, on est en train de niquer nos gommes, hein, vraiment. On va faire attention parce qu'on peut faire une erreur à n'importe quel moment. On n'arrive pas. Oh, attends. Attends, parce que là, il y a potentiellement des retardataires qui peuvent nous mettre bien. Ok, on va se remettre en foin. Oh, faut vraiment qu'on calme la température, par contre, hein, parce que là, ça va pas. Là, ça va pas, la température. Faut vraiment qu'on fasse attention. Ah non, il nous met pas bien du tout, là, le retardataire. C'est le bordel complet. Qui fait ça? Non, non. Russell qui va commencer à revenir avec ses petites bêtises là. Attention, 9 dixièmes du coup. Aïe 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 aïe. Il faut que je récupère un peu de. Faut que je baisse un peu la température de la gomme. Faut que je reste un peu ça. Bon. Ça va être compliqué d'aller chercher, j'ai l'impression. Après, on a le podium. Mais Alonso, par contre, il faudrait qu'il s'effondre un jour. Alonso, si on regarde 47. Oh, ils sont en train de travailler. Attends, mais même Leclerc. Leclerc, ses gommes sont en train de fondre. On va être patient. On va être patient, les gars. Faut vraiment que je récupère tout ça. Il faut que je sois patient. Je dois être patient. Alonso va le ralentir de toute façon. On aura un meilleur rythme. Je dois être patient. Donc on est un peu plus agressif derrière. Mais nous, on se doit d'être patient.
Alonso, il va rester comme ça jusqu'au bout. C'est la strat qu'on aurait dû faire, mais j'ai l'impression qu'elle est pas viable. Hein. Vraiment, j'ai l'impression qu'elle est pas viable. Les gars, on peut peut-être gagner le GP. Et je vous le dis, Gasly, il peut gagner le Grand Prix. Ce serait fou, mais il peut. Ça va être dur. Ça va être dur. Merde, non, je voulais faire ça. J'ai laissé en agressif, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Faut juste que la tempête se baisse. Oh non! Oh, je suis abattu! Je me prends un drapeau rouge comme ça dans la vue. Condition au redémarrage. 89 mm. Pluie légère 3 minutes après. Ok, donc inter. Oh non! Un 55 en haut, regardez. Oh non, je suis abattu! On avait pris une petite avance. Alonso, il avait des vieux pneus. Non! Putain, mais on n'a pas de chance en ce moment, les gars. Vraiment, on n'a pas de chance avec tout ce qui est drapeau rouge et tout. J'ai zéro chance. Bon, on va être agressif de fou. Vas-y, bah au moins, le bon côté, c'est qu'on va faire au moins les premiers tours vraiment full agressif, quoi. Vraiment full agressif ces premiers tours. Il y aura absolument rien d'autre à se mettre sous la dent. Voici. Mais il n'y aura pas d'autre solution que d'être hyper agressif. Donc c'est ce qu'on va faire. Relance du coup, nouvelle course. Pierre Gasly qui peut peut-être, en dépassant maintenant Sainz, Leclerc, essayer d'aller chercher après Alonso. Ok, on est tous à 100% de gomme là par contre. Allez mon petit. Allez Pierrot. Allez mon Pierrot. L'extérieur sur Charles. Oh, il l'a fait. C'est pas Ocon, mais il y en a deux qui sont partis. Oh, il s'est fracassé. C'était pas Ocon, les gars. Virtual safety. Oh là 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 là. Ça s'est fracassé direct, premier virage. On est deuxième avec Pierrot. Hein. Attention, on est deuxième. Hein. Oh, le GP peut être fou. C'est passé quoi? Oh, l'accrochage. C'est Perez encore? Oh là 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 là. Sergio Perez, l'accrochage. Ça prend feu? Ça prend feu? Stroll, il prend feu? Ouais, c'est fini pour Stroll. Hein. Abandon de Stroll. Hein. C'est nickel. Oh, c'est le jeu. Cette année, le jeu est trop bien. Cette année, le jeu est vraiment trop bien. C'est un délice d'avoir des trucs comme ça. Des petits accrochages dans le premier tour, etc. C'est trop bien. Comment ça, DRS désactivé? Ok, non, c'est toujours de la pluie. De toute façon, tout le monde est sous la pluie, c'est pas un souci. Merde, il va bien. Ok, on a Alonso devant nous. Non, c'est pas moi qui prends une pena, bien entendu. On a Alonso devant nous. Ocon, je vous avoue que je vais me focus sur Gasly parce qu'il y a encore une win à aller chercher aujourd'hui. Hein. Il y a encore une win à aller chercher. On attend que du coup la fin... de la safety se prononce. C'est bon, calmez-vous là. Pas la voiture virtuelle. Pourquoi je suis si loin d'Alonso comme ça? Allez, c'est reparti. Allez, on va le chercher. Il reste maintenant 10 tours, messieurs, pour la fin de ce Grand Prix du Japon. Ouh, mon petit Pierrot, je suis en train de revoir Singapour là. Je revois le podium, je revois la Marseillaise. Attention, parce que Charles Leclerc est juste derrière. Il y a quand même du beau monde hein, derrière. Charles Leclerc qui est encore tout aussi rapide. Nous, on arrive à être rapide dans ces courbes rapides, etc. Le fait d'avoir un nouveau moteur aussi, évidemment, mais quand même attention. Faut qu'on arrive à le passer vite. Les gars, si on arrive à passer assez vite Alonso en étant en full attaque, potentiellement, on peut se mettre très bien. Parce qu'Alonso, je sais pas si... Non, tout à l'heure, il était lent parce qu'il y avait les pneus, surtout. Là, je suis en train de tout cramer. Oh, il va le faire. Oh, il va y aller, Pierre. Oh, la puissance de la Renault, de l'Alpine. Ok, on se focus. Ocon a réussi à passer aussi. Il est passé. Je reste un peu en full attaque, les gars. Alors, c'est très risqué. C'est très risqué concernant la gomme de faire ça. Mais là, je vous avoue que je dois tenter. C'est très très risqué, mais je dois tenter. Oh, Russell qui est passé devant Leclerc. Oh non, c'est... Attends. Il est en train encore de se passer un truc, là. On est encore en train de vivre un truc là, les gars. Les pneus sont très chauds. Oui, c'est vrai. T'as totalement raison. On va se calmer un peu. Les pneus sont très chauds. T'as aussi totalement raison. On va se calmer un peu. Alonso, 1 seconde 5. Non mais Gasly, il s'envole. Non mais Gasly, il a mangé quoi dernièrement là, les gars? On va calmer les pneus. Attendez avant que ça bug, je sauvegarde. On sait jamais. On n'est pas à l'abri d'un bug. J'ai pas envie de tout recommencer, je t'avoue. Parce qu'il s'est passé plein de trucs un peu fous. Et parce que je voulais voir, du coup, eux, ils ont quoi, Leclerc?
Mais regardez tous leurs moteurs. Mais ouais, Leclerc, il a un moteur éclaté. Il y a qui derrière moi? Alonso. Oh, Alonso a un beau moteur, en fait. Là, c'est, on est juste en train de tenir en... comment dire, en... on tient Alonso. On tient l'Aston Martin, tout simplement. Attends, si on fait un doublé avec Pierre Gasly, ce serait fou, là. Ce serait totalement fou de faire un doublé avec, avec Piro. Surtout que là, c'est juste qu'on est en train de se calmer. Bon, Ocon aussi, par contre. Faudrait que je le remette un peu, parce que Ocon, mine de rien, il peut faire une bonne place aussi, hein. J'avoue que c'est pas que je veux le laisser de côté, mais je suis obligé de m'occuper de Pierre Gasly, qui est en phase, peut-être, d'aller chercher un nouveau Grand Prix. Vas-y, Ocon, tant qu'à faire, va aller chercher un peu plus haut. Mets-toi en full attaque. J'ai confiance. Il est en train de revenir sur Leclerc. Tu vois, Ocon a un peu plus de mal, alors que Gasly, il roule sur la concu. Gars, Gasly, il a 2 secondes 5 d'avance sur Russell. Il est, on est en train de vivre un truc. C'est pour... Hey, on vit pour ces moments, les gars. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on vit pour ces moments. Mais c'est encore le cas. On vit pour ces moments. Pierre Gasly... Oh, Pierre Gasly, il est incroyablement fort dans le jeu. Soyez honnête. Pierre Gasly, dans le jeu, est beaucoup trop fort. On va calmer. Parce que normalement, je pense qu'au niveau des pneus, on n'est pas si mal. 97. Est-ce qu'on est en surchauffe? Oui. Ah ouais, on est en surchauffe totale. Même avec Ocon, attention, parce qu'on peut faire une erreur toute bête, là. On va se calmer. On va faire baisser la tempête. Oh, il y a le DRS qui est revenu, là. Ouh, attention. 3 tours restants, messieurs. 2 secondes 2 pour Russell. Ocon qui doit cravacher un peu plus. On peut pas voir la température des autres. Au niveau des pneus, j'ai pas l'impression. Non, on peut pas voir la température. Attention à Pierre. Hein. Attention à Pierre. Hein. Attention, parce que si le DRS arrive, c'est fini. Hein. Refoule attaque pour Pierre Gasly. Hein. Full attaque pour Ocon. Hein. C'est pas grave pour... Non, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Donne tout ce que t'as. Mais là, on s'en fout maintenant. La surchauffe, je m'en fous. Hein. Allez, mon Pierrot. Il va rester pas longtemps, Pierrot. 1 seconde 8. Il nous reste 2 tours à faire, messieurs. Pierre Gasly peut être le double vainqueur d'un Grand Prix. Non, mais ce serait inimaginable. Je ne vois pas comment, là, Gasly, aujourd'hui, j'aurais pu imaginer qu'il gagne ici au Japon. Et pour l'instant, il est en train de le faire. Il y a clairement les autres écuries qui sont en galère avec leur moteur. C'est le cas de Verstappen, de Perez aussi qui s'est en plus raté. Stroll qui du coup lui a percuté et est parti assez loin. 2 secondes 2, c'est bien, on reprend un peu de temps. On reprend un peu de temps. Je vais me remettre peut-être juste en agressif, ça pourrait suffire. Ocon qui est en train de cravacher. Mais ça va être dur d'aller chercher mieux. On aurait pu faire peut-être un double podium si j'avais géré un peu plus Esteban, mais compliqué, je t'avoue. Gasly dans son dernier tour. Messieurs, Gasly dans son dernier tour. Gasly est en train de gagner un nouveau Grand Prix. 2 secondes 6 d'avance sur George Russell. Oh là 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 là. Esteban Ocon, c'est dur. Esteban Ocon, ça devient dur par contre. Si on arrive à tenir la 5e place, c'est déjà magnifique. Russell est deuxième, donc prend pas mal de points pour Mercedes, mais Gasly est premier, quoi. Oh mon Pierrot. Oh mon Pierrot, tu vas te mettre en standard. J'ai pas envie que tu fasses de bêtises. J'ai pas envie que tu fasses de bêtises. On pourra pas aller chercher plus avec Esteban Ocon, mais Pierre va être encore vainqueur. C'est incroyable. Deuxième victoire d'affilée, deuxième victoire sur F1 Manager 2023, donc du coup avec Alpine. Bon, attention, parce qu'il reste encore quelques virages, faudrait pas se rater et se mettre à pleurer au final à la fin de la course, mais Gasly a encore été incroyable aujourd'hui. Gasly, il est juste incroyable. Franchement, il est incroyable. On se rapproche, les gars, on approche du dernier secteur, on vit ces derniers moments ensemble. On va s'approcher des derniers secteurs du coup avec Pierre Gasly. J'ai même regardé mon enregistrement, j'étais pas sûr d'avoir enregistré, ça m'aurait fait chier, je t'avoue. On va se calmer, Esteban Ocon qui peut pas faire mieux et qui a deux doigts de faire une erreur. Oh, le sourire aux lèvres. Pierre Gasly qui va aller chercher une deuxième victoire d'affilée avec son Alpine. Incroyable, mais qui peut nous stopper? Qui peut nous stopper désormais alors qu'on a pour l'instant pourtant pas le potentiel pour? Après, on est fort quand même, on est la deuxième écurie, on va dire, dans tout ce qui est virage rapide. Troisième dans tout ce qui est virage lent, les deux cumulés. C'est une victoire de Pierre Gasly, messieurs, 2 secondes d'avance sur George Russell. Incroyable. On allait chercher encore une victoire avec Pierre Gasly, la deuxième d'affilée. Or, je suis pas sûr que vous aurez misé un copec au début de ce GP pour Pierre Gasly. Alors oui, on a eu Sainz qui s'est planté, Hamilton aussi, alors qu'ils étaient devant nous, donc ça nous a mis bien. Mais fallait saisir l'opportunité, et c'est ce qu'on a fait avec Pierre Gasly. Incroyable.
On va regarder encore, bien évidemment, ce fabuleux podium avec Pierrot sur la plus haute marche, accompagné de George Russell. Première fois qu'on le voit dans le jeu, je crois aussi. Oh là là, deuxième victoire d'affilée de Pierre, c'est incroyable ça. Incroyable. Pierre qui arrive une deuxième fois sur la plus haute marche. 50 points récupérés en 2 GP. Ça va faire du bien pour les points. Pour les points constructeurs, même pour lui, ça va faire du bien. Deuxième victoire de Pierre Gasly. Bon, dans le titre, je ne mettrai pas « On vit pour ces moments, x2 ». J'aurais pu le faire. Mais du coup, vous allez gagner. Ouais, maintenant, si t'en es là, c'est que tu sais quoi. Oh, le Pierre Gasly qui gagne, incroyable. Oh là là, le Pierre Gasly qui gagne. C'est somptueux. Deuxième victoire d'affilée pour Pierre Gasly. Incroyable, il était tellement fort aujourd'hui. Tellement fort, Pierre Gasly. Personne ne pouvait le stopper. Franchement, beaucoup trop fort. Je sais pas ce qu'il a eu, je sais pas ce qu'il a mangé, mais qu'est-ce qu'il était fort. Du coup, au classement, ça donne quoi? Pierre Gasly qui prend 25 points, évidemment. Russell qui est bien remonté aussi. Alors, il y a bien entendu des crashs qui ont coûté pas mal, comme celle de Hamilton qui a perdu 7 places, Sainz qui en a perdu 6, qui était meilleur que nous hein, au départ, hein, très sincèrement. 4 places gagnées pour Gasly, Ocon qui finit que 5e, mais c'est bien. Gasly qui revient 6e au classement, alors loin, ok, derrière les autres, mais qui passe devant Russell, Hamilton, Stroll et Ocon. Bon, ça c'était déjà fait. Et regardez, on revient à pas grand chose. Hein. On revient à peine 13 points de Mercedes. On peut aller chercher la 4e place sur la saison. Il y a un truc à faire. Alfa Romeo a marqué un petit point, c'est aujourd'hui? Ah non, j'ai cru que c'était aujourd'hui. Non, c'était pas aujourd'hui. Ok. Mais du coup, on est bien. Gasly encore vainqueur. Eh bah écoutez, incroyable. Par contre, il va falloir qu'on travaille sur le pit stop parce qu'on est très très nul à ce niveau-là. Mais victoire de Pierre Gasly à nouveau. 25 points récupérés par le Français. Le prochain Grand Prix, du coup, si je dis pas de bêtises, ce sera au Qatar. Grand Prix que je déteste. Au moins, on aura 2 victoires avant d'arriver ici. C'est hyper cool. On a des recherches qui se terminent avant d'ailleurs ce Grand Prix du Qatar, donc on verra où on en est. Je vais juste vous montrer au cas où, si ça vous intéresse, le Grand Prix de Suzuka. Est-ce qu'il y avait de la F2? Il n'y avait pas de F2. Et au cas où, à Singapour, il n'y avait pas de F2. Vous n'avez rien raté. Les amis, merci à vous d'avoir regardé encore cette énième vidéo. Et surtout, ce deuxième succès d'affilée pour Pierre Gasly, c'était incroyable. J'essaie de vous envoyer la vidéo du coup sur le mode dans l'après-midi si tout se passe bien. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve si vous le souhaitez, on est samedi aujourd'hui en live cet après-midi pour le match Marseille-Reims en live sur Twitch du coup, avec des packs de cartes de foot à venir ouvrir si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer. Ou sinon, on se retrouve demain matin pour la suite avec peut-être une 3e victoire d'affilée, qui sait? On ne sait pas. Ciao, ciao.